Et bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Shooté et on se retrouve aujourd'hui de bon matin, il est 8h45 tout pile poil, voilà, pour le second épisode de notre petite aventure avec notre ami l'alien que je pense qu'on va trouver croisé dans pas longtemps, tout simplement sur Alien Isolation, les amis. Alors, depuis, bah, vous voyez qu'a changé par rapport à l'épisode tourné en vidéo déjà, c'est la qualité du jeu va être un poil rehaussée. Donc ça, c'est plutôt cool pour vous. Et deuxièmement, vous voyez que ma cam n'est plus du tout au même endroit. Oui, c'est pourquoi. Ah, il y a des grésillements de courant en bas. Un peu partout là. Ah, un truc à écouter. Ici Turner, j'ai encore dû m'occuper de cet abruti d'ivrogne. Cette fois, il a presque pété la porte avec un cric de maintenance. Il doit sûrement se croire en sécurité ici, il veut s'y enfermer. Qu'il aille se faire foutre. On a d'autres chats à fouetter que de babysitter des poireaux. Enfin bon, je l'ai bouclé dans le coffre des pièces à conviction. Laisse ce connard cuver. Alors, je vais possiblement me taire en fait quand il y aura des dialogues ou des cinématiques ou autres, les amis, parce que tout simplement en fait, bah, le son du jeu est à fond, je crois, dans les réglages. Je vais vérifier ça. Voilà. Volume des effets sonores et cinématiques est à fond. Volume de la musique, je vais le hausser un poil. Voilà. Et en fait, moi, j'ai pas moyen de me le mettre très fort dans les oreilles pour le moment, parce que sinon, bah, je vais me rendre sourd. Tout simplement. Et oui, je devais me rendre par là-bas. Alors. Là, pour le moment, ouais, j'ai pas encore l'outil de maintenance. Je crois que je vais le récupérer dans pas très longtemps, l'outil de maintenance. À voir. Oula. Cette eau qui coule de nulle part, ça. D'accord. Soit c'est de l'eau, soit c'est les trucs d'aliens qui coulent d'un peu partout, mais c'est dégueulasse. Il y a marqué quoi là? Wait. Wait et us. Wait us. Je sais pas ce qu'il y a, je sais pas l'autre mot qui a marqué. Dans cette salle, il n'y a rien. Go, on continue. D'accord, une revue de mannequin. Ah, et chaque porte va me foutre les boules. Dans cette salle, je crois qu'on aura un truc intéressant après, une fois qu'on aura l'outil de maintenance. Oula. Ça recommence, j'ai pas besoin d'être en stream pour que ça saccade. Mais je vais pas vous enregistrer le jeu en dessous, on va dire, de 720, quoi, parce que sinon la qualité du jeu va vraiment rendre dégueulasse. Alors je m'excuse d'avance pour les saccades que vous aurez sur la vidéo. J'essaierai de reparamétrer mon OBS un peu. Peu mieux pour la prochaine fois à nouveau. Why? Bon, la porte là-bas est fermée, donc on doit passer là-dedans. Allez, replay, rentre là-dedans. La loi du conduit. J'aime pas la caméra que. Putain. J'aime pas la direction de la caméra en fait quand on est en train de monter. Putain, et les petits effets d'étincelles sont tellement bien foutus, même au minimum, que mon jeu lag.
à soumettre une plainte à la plus haute autorité, c'est compris? Je m'appelle Zachary Watson. W-A-T-S-O-N. Vous avez tout? Très bien. Ma plainte est la suivante. Les putains de Marshall. Voilà ma plainte. Ils feraient mieux de nous protéger. C'est leur boulot. Il y a un truc sur la station avec nous. Et personne ne sait ce que c'est. Pourquoi ils nous disent pas, les Marshall? Ils m'ont juste enfermé. C'est con. Je veux déposer une plainte. Je l'ai déjà dit, non? Je te jure. J'ai vraiment peur, mec. J'ai vraiment... Putain. Il crie trop. Personne n'est venu. Je me les prenne ici. Je crois que cette saloperie marche même pas. D'accord, bah on voit, bah on apprend tout simplement que bah, ce mec en question voulait déposer une plainte. Hop, on va ramasser l'outil. Je crois que j'en ai plus besoin que toi. Voilà. Ramasser l'outil de maintenance. Alors du coup, non, c'est pas là. Non, c'est pas ça. C'est quoi la touche pour le sortir, par contre? Et par contre, les effets de lumière qui font laguer le jeu, là... Bon, on va se barrer d'ici, en fait, les petits amis. De toute façon, il n'y a rien d'autre. Il n'y avait que le truc à écouter, la plaque et l'outil à ramasser. Les contrôles sont assez simples pour débloquer les portes. Je vais très souvent avancer, de toute façon, vraiment pas à pas. Ah, il y a un truc qui était censé faire peur dans les parages. Il y a un truc qui était censé faire peur. On va retirer la tâche ici aussi, du coup. Ici, ça doit être une salle bonus, du coup, un peu... Voilà, il y a voir. La camelote. Et dégage le boucheron. Merci. Un truc à écouter. Aist. Est-ce que je l'ai bien prononcé? Aist. Écoute, si t'as pas envie de me dire ton nom, on va être là pour un bon bout de temps. Je veux juste en savoir plus sur ton boss. Il vous a tous mis dans un bordel pas possible. Quelqu'un va devoir rendre des comptes. Je vais bien m'assurer que quelqu'un soit responsable. Non? Dur à cuire, c'est ça? Turner. Arrête l'enregistrement. Peut-être que notre ami est juste un peu timide. D'accord. Donc ils avaient... l'agent Colin. Ils avaient tout simplement capturé quelqu'un, je pense. Et du coup, on ne sait pas qui c'est. Alors oui, pour en refaire un, il me manque un pistolet seringue. Ouais. Il me manque un pistolet seringue pour refaire une, un truc de soin. Du coup, on va avancer. On a juste à retourner dans la salle principale. Non, 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 non. Ça va pas me plaire. Et le jeu arrête de laguer, s'il te plaît. On va re-sauvegarder, hein. Voilà. Et du coup, on est à 10 minutes. Ça le fait. Hop. On va retourner se promener à côté. Et à la moindre porte, je lag en fait. C'est pas possible. Alors. Voilà. Du coup, on revient dans la salle principale où il y avait tous les corps par terre.
Il fallait aller par là. Moi, du coup, je vais essayer de me diriger de l'autre côté, de me rediriger par là, en fait. Là-bas, je pouvais pas. Parce que je crois qu'il y avait. Voilà. Je crois qu'il y avait des trucs à débloquer, en fait, par ici. Avec l'outil. Voilà. Vous les verrez très peu d'affichés, on va dire, les trucs. D'accord, par contre, si je le fais trop tôt, ça détecte pas en fait. Vous me verrez beaucoup regarder souvent vers la gauche de mon écran, tout simplement parce que je regarde mon deuxième écran pour voir comment tourne mon OBS. OBS, il a du mal à monter au-dessus des 20 FPS, quoi. Alors, il y a quoi de beau ici? Un pistolet seringue. Ça veut dire que je vais pouvoir refaire un truc de. Voilà, comme ça, j'en ai deux des medikits. Et je vais même pouvoir en refaire un troisième. D'accord, je peux en fabriquer que deux à la fois. Ok. Pas grave. Camelote. Ah, camelote insuffisante. D'accord. J'ai assez de camelote pour en faire. Et j'y comprends mieux. Alors, on a faim. Du coup, hop. Par là, je pouvais pas y aller. Ici, j'avais déjà ramassé. On va aller au bout. Mais je sais plus s'il y avait des trucs à ouvrir dans le coin en fait. Là, il y a ça. Non, là, il me faut une torche à plasma. Donc, on se casse, on retourne dans la salle. Principal, les amis. Je pense que ça va être un petit épisode aujourd'hui, de toute façon, de remise en jambe, on va dire. Surtout vu comment tourne le jeu sur l'ordi aujourd'hui, je sais pas trop ce qui se passe. J'avais pas autant de saccades la dernière fois que j'ai joué. Bon, voilà, j'ai rien modifié au niveau des paramètres graphiques. Le jeu galère à tourner à 30 FPS, quoi. Y a pas de vaisseau ici. Maintenant, si. Bah ça, c'est une bonne nouvelle, parce que ça craint pas mal ici. Il vient d'avoir une explosion. Ça a tout secoué dans le coin. J'ai vu ça. Mais ça, c'est bien le dernier de nos soucis. Ah ouais. Ouais. Y a quelque chose sur la station. Un truc assez incroyable. Genre quoi? Un tueur. Tu comprends? D'accord. D'accord. Et toi, t'es qui? Axel. J'ai embarqué avec deux collègues. On a fait une EVA. L'explosion nous a séparés. Tu veux bien m'aider à les retrouver? Pourquoi? T'as l'air de connaître les environs. Là, je veux dire, pourquoi? J'y gagne quoi, moi? Une place sur le vaisseau. Comment je sais si je peux te faire confiance? Faut que je trouve le centre de com. J'ai besoin de contacter mon appareil.
Alors là, c'est ton jour de chance. C'est parti, poupée. Sixon Communications se trouve dans la tour Systech. J'adore toujours autant la modélisation des visages dans ce jeu. On tombe toujours sur un pépin là-bas. J'adore toujours autant. Alors, du coup, on avance. C'était toi qui me suivais là ? Fallait bien que je garde mes distances. On n'est jamais trop prudent ici. Allez, le jeu n'aime pas les grandes salles et je sens de toute façon que le. Quoi ? Il est où ce con ? Pas un geste ! Ok, ok, d'accord. On n'est pas là pour chercher les embrouilles. Vous êtes qui, vous ? Moi, c'est John. Ça, c'est Ringo. C'est juste une paire de connards. On a d'autres choses à faire. Allez, viens, Janna. On cherche le centre de com. Vous pouvez nous aider ? On n'a pas besoin de leur aide. Tu leur dis rien. Écoute, j'ai réussi à faire marcher l'ascenseur. Janna, tirons-nous d'ici, ok ? Je suis désolée. Bonne chance. Ouais, bah, ils se cassent sans nous. Savoir à quoi tu joues. Pourquoi tu leur aboies dessus ? Tout le monde a les boules. Plus personne se fait confiance. C'est plus sûr comme ça. Oh, y a pas des bois-boîtes à ramasser dans le coin ? Oh, tiens, un truc de sauvegarde. Ça, on l'entend. Keep out. Ok, on va pas par là. J'espère pour toi que ton vaisseau, c'est pas des bobards. Ah, sauvegarde. Voilà. Hop, voilà. Attends là, je m'occupe de l'ascenseur. Tu permets ? C'est un vieux machin, faut un doigté spécial. Eh ben, qu'est-ce que t'attends comme ça ? Appuie sur le bouton. D'accord, faut vraiment être dessus quoi pour appuyer, hein, putain. J'apprécierais grandement que tu me dises ce qui se passe ici. Et tout de suite. Écoute-moi bien, mon petit. Si tu veux, quand on retourne sur le vaisseau, on va se détendre, se faire des tresses dans les cheveux et papoter autant que tu veux. Ouais, quand on sera sur mon vaisseau. J'ai besoin de savoir ce qui se passe et pas dans 107 ans. Ok. Comme je te l'ai dit, il y a un tueur dans les parages. Un tueur ? Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Je l'ai pas vu, mais il est ici. Ça, c'est sûr. Il nous chope un par un. Tu me parles de quoi ? Un psychopathe ? Un dégénéré ? Non. C'est autre chose. Un monstre. Voilà, là on commence à en apprendre un peu plus. On commence à apprendre voilà, que c'est pas un humain déjà qui tue les gens. Voilà, pistolet seringue. Ah, et genre, je regarde une caisse et ça lag. Mais le jeu, allez, pas sympa. Ça, putain. On ferait mieux de chercher une sortie. T'es complètement dingue ? Y a aucun moyen de sortir de cet endroit. Au moins ici, on est en sécurité. Ouais, mais pour combien de temps ? Et on fait quoi s'ils nous tombent dessus, hein ? Bah, on leur tire dessus. Maintenant, ferme-la. T'es en train de me faire flipper. Voilà, on croise d'autres personnes et ça a pas l'air d'être des gentils, monsieur. Ah, je dois peut-être aller dans le coin. Va falloir qu'on fasse le tour. Mais c'est... Ouais, c'est lui qui va le déverrouiller. Bon, pourquoi ça me pro... Putain, et ça me propose pas de grimper tant qu'il est pas complètement rentré dedans, quoi. Des amis à toi ? Je me suis déjà embrouillé avec ces gars-là une fois. J'aime pas trop les étrangers, même les gentlemen comme moi. C'est étonnant. Je te raconte pas de salade petite. Si tu veux y aller leur faire coucou, tu signes ton arrêt de mort. Leurs flingues sont pas là pour faire joli. Il faut que quelqu'un agisse. C'est ce qu'ils font. Entre nous, on appelle ça l'instinct de survie. Mmh.
L'instinct de survie, c'est sûr, c'est primordial dans ce genre de moment. On se retourne tous les uns contre les autres. La peur, ça rend les gens complètement sérieux. J'avais remarqué. C'est là-dedans que tu vis ? Excuse-moi, mon majordome est en vacances. Prends tout ce que tu veux. Tu n'auras peut-être pas d'autre occasion de le faire par ici. Non mais juste le fait que le la trappe ça va faire une semaine que je me du tuyau s'ouvre. Encore une sauvegarde du coup. Pile de lampe torche. Il peut faire vachement sombre par ici. Tu devrais prendre cette lampe torche là-bas. N'oublie pas de faire le plein de piles avant de partir. De l'éthanol. Là, c'est la radio. D'où la lampe torche? Elle est là. Allez, t'attends quoi, là? Et la lampe torche, voilà. Tu feras gaffe de pas l'allumer n'importe où. J'ai pas trop envie qu'on se fasse repérer. On y va. Ce que je vais faire les petits amis, c'est je vais sauvegarder ici pour aujourd'hui. Ça fait un petit épisode d'une vingtaine de minutes. Il s'est pas passé grand chose, mais c'était surtout histoire de, on va dire, faire une petite reprise tranquillou. Donc sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Tchuss les amis.